un mandat de 4 ans, on a l'impression que c'est long, mais ça va très très vite. Les 4 années ont été riches en apprentissage et riches en réalisation. La fédération a connu donc une vision, une stratégie dès la mise en place donc du bureau. Tout cela naturellement sous l'éclairage du président, le fondateur Sibyl Khiyat, qui à travers son expérience et sa vision et son éclairage nous a orientés vers le bon objectif. Je voudrais rappeler, tel que je l'ai dit lors de l'Assemblée, que l'objectif ce n'est pas le résultat, et le résultat ce n'est pas l'objectif, mais le résultat étant un aboutissement, donc c'est un chemin par lequel on passe pour pouvoir atteindre un résultat. Donc en fait l'objectif c'est le chemin par lequel on passe pour pouvoir atteindre un résultat. Donc ce chemin a été structuré durant les 4 années, tout d'abord par la mise en place d'une stratégie avec une vision claire, de qu'est-ce qu'on va faire de la fédération, donc en fait d'installer ce qu'on appelle un ADN de la fédération. Donc la fédération a mis en place un ADN qui devait donc lui permettre d'être un partenaire privilégié entre le public et le privé, donc créer véritablement un bridge entre le public et le privé. Les moyens que nous avons utilisés sont assez intéressants. Tout d'abord, on a commencé par la mise en place d'une organisation, avec une structure organisationnelle bien claire, un bureau avec ses prérogatives, un conseil d'administration avec ses prérogatives, et bien entendu, entre les deux, des commissions avec des thématiques bien précises qui sont aujourd'hui de l'ordre de 8, qu'il s'agisse de la commission ressources humaines et digitalisation, qu'il s'agisse du capital humain et digitalisation, pardon, qu'il s'agisse de la commission logistique, de la commission e-commerce, de la commission douane et autres. Mais toute la dynamique a été que la fédération a continué à s'organiser durant 4 années en essayant de s'adapter aux nouveautés du marché, des nouveautés telles que la montée ou l'apparition d'un nouveau canal de distribution qui est le e-commerce, telles que la promotion du green logistique et autres. Donc tous ces éléments-là, toutes ces thématiques ont fait l'objet donc d'une réflexion qui a fait que durant l'exercice, nous sommes organisés autour de 8 commissions avec 8 thématiques bien différentes. Ces 4 années, comme je disais, ont été assez longues et riches en résultats. Les conventions qui ont été signées avec les institutions sont la démonstration de ce résultat. Nous avions des conventions qui étaient déjà signées, nous avons augmenté donc, le paysage des conventions, une convention avec le GIAC, une convention avec l'OMPIC, une convention avec d'autres institutions qui ont porté donc aujourd'hui Tijara à un niveau de partenariat extrêmement élevé avec donc les partenaires institutionnels. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné durant les 4 années. Je voudrais remercier tous les membres pour leur confiance et surtout être extrêmement généreux en remerciement vis-à-vis du président fondateur Sibyl Khiyat pour tout son éclairage et toute sa vision à laquelle il a aménagé ni son temps ni son savoir pour pouvoir faire avancer Tijara vers ce résultat auquel nous sommes arrivés. Et donc en fait, il a été le véritable projecteur de ce chemin par lequel nous sommes tous passés pour atteindre le résultat. Je vous remercie. Aujourd'hui, j'étais honoré d'être élu en tant que président de la Fédération Tijara. Cette fédération aujourd'hui est un acteur majeur pour représenter les distributeurs des produits de grande consommation au Maroc. Et donc, je me suis présenté pour les représenter et j'ai été honoré d'être élu. Cela me permet justement de travailler pendant ces 4 années avec 3 axes de développement de cette fédération. Le premier axe serait d'être un peu plus proche des institutions publiques et d'apporter un peu plus, de construire un pont avec les institutions publiques. Le deuxième axe de développement est de faire fédérer plus de membres et de les ramener à intégrer notre association pour donner encore plus de poids à cette fédération et pour
la considérer comme une fédération importante dans le développement du secteur de la distribution et du commerce.